من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. Nous sommes de retour à notre base sur le terrain de Figayo Yopougon. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le 19 mai 2022, qui correspond au 18 Shawwal 1443 de l'Hégire. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Nous faisons la Dawa. La Dawa, comme on a l'habitude de le dire, ça signifie appeler les gens, le maximum de personnes, à venir non seulement écouter le message de l'islam, et pourquoi pas se convertir à devenir musulmans. Mais pourquoi ils doivent devenir musulmans? Pourquoi les musulmans ne deviennent pas chrétiens? Pourquoi les musulmans ne deviennent pas bouddhistes? Pourquoi ils n'adorent pas les fétiches? Pourquoi on doit devenir musulman et non musulman devient, n'est-ce pas, dans une autre religion? Non, pour la simple et bonne raison, la religion que Dieu a donnée, nous disons, elle est unique. Si Dieu lui-même est unique et que la vérité est unique, le message qu'ont envoyé les messagers est unique, la religion est unique également. Mais si la religion est unique, mais pourquoi il y a plusieurs religions alors? Oui, effectivement, Dieu n'a pas envoyé plusieurs religions. L'Éternel Dieu a donné une seule religion, c'est de se soumettre à la volonté de lui Dieu. Ce que lui dit là, tu te soumets. Et c'est ce qu'il a dit à Adam dans le jardin, obéis-moi, soumets-toi à moi. Ne mange pas ce fruit là. Tu peux te servir des autres, mais celui-là ne mange pas. Sinon, tu seras du nombre des injustes. Donc tu dois m'obéir. C'est ça la religion. Soumission à la volonté de l'Éternel. Et dans la pratique de cette religion, les recommandations maintenant peuvent venir. Et celui qui est soumis au véritable Dieu, nous l'appelons musulman. Nous musulmans, nous l'appelons musulman. Tu peux être soumis à Dieu, mais tu n'es pas soumis au véritable Dieu. Tu peux être dans une religion, mais tu n'es pas dans la religion de l'Éternel Dieu. Pourquoi? En islam, nous musulmans, nous rejetons toute religion qui porte le nom de l'une des créatures de l'Éternel Dieu. Parce que nous disons, Dieu a créé sa religion, c'est lui qui a donné sa religion, ce n'est pas, n'est-ce pas, aux êtres humains de porter le nom de la religion de l'Éternel Dieu. Comme nous disons, quand on dit Judas, le judaïsme, ça tire son nom de Judas, qui est une créature de l'Éternel Dieu. Musulman dit non, 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 non. Quand on dit Bouddha, le bouddhisme, ça sort de Bouddha, nous disons non. Quand on dit Branham, Branhamisme, nous disons non. On dit les Kakouins, ça vient des Kakou Philippe, non, on dit non. Le christianisme, ça vient de Christ, on dit non. Mais il n'y a pas une religion qu'on appelle ismaélite ou mohammedine, mais il y a une religion qu'on appelle l'islam. Et le Dieu que les musulmans adorent, il s'appelle Allah. Allah, il n'y a pas son pluriel. Il n'y a pas son féminin. Il n'y a pas masculin. Alors que dans le mot Dieu, il y a masculin, il y a féminin, il y a pluriel. Donc, si l'Éternel Dieu nous a donné cette religion-là, c'est lui qui nous a donné la religion islamique, c'est lui de nous dire comment nous devons l'adorer. Ce n'est pas aux êtres humains de s'inventer une manière d'adorer Dieu comme ils veulent. C'est pourquoi la religion musulmane, on peut la trouver difficile, voire même impossible de la pratiquer pour certaines personnes qui ne veulent pas faire d'efforts. Nous sommes des musulmans, nous pratiquons l'islam, on n'est jamais mort. Quand il dit mort, ça veut dire que ça ne nous a pas fait du mal. Mais quand tu n'es pas courageux, tu es paresseux, tu ne peux pas devenir musulman. Tu peux être malade physiquement.
corporellement. Mais quand ton cœur est guéri, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que toi. Tu peux être paralysé, infirme, hein, non-voyant et tout. Mais quand ton cœur est guéri, c'est fini. Toi, tu es la personne la plus, c'est-à-dire que tu es en bonne santé, que celui-là même qui a les deux yeux et qui a tous ses membres qui sont complets. C'est ça l'islam. Donc quand on vous parle de l'islam, ne voyez pas comme c'est une religion des Arabes. C'est une religion importée. C'est une religion inventée. C'est une religion que Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, a envoyé. Le Coran dit, Mohamed, il a trouvé l'islam. Il n'a pas envoyé l'islam. Sourate 5, verset 3, Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'accomplis sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. C'est Dieu lui-même qui nous a appelés musulmans. Donc c'est à lui de nous dire comment nous devons l'adorer. C'est pourquoi la prosternation, l'inclinaison, n'est-ce pas? Même ce que nous disons lorsqu'on l'adore, ça ne vient pas de nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Hein? Guide-nous sur le droit chemin, etc. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons secours, etc. etc. Hein? Faut pas nous mettre sur la voie de ceux qui ont encouru ta colère ni tes égarés. Voilà ce que nous disons quotidiennement dans nos prières. Et ensuite, on ajoute des sourates. Dis, il est Allah l'unique. Allah, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allah n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Conformément à Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça, c'est la sourate Al-Ikhlas, bibliquement parlant. C'est pourquoi le musulman, quand il doit, par exemple, épouser quelqu'un qui dit « Jésus est Dieu, fils de Dieu », automatiquement, l'islam interdit cela. Pourquoi? Le Coran dit « Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un ». Verset biblique même confirme cela. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme ». Le Coran dit « Il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Hein? Mais si je pousse une femme qui est chrétienne, qui est bouddhiste, qui est brahmanisme, qui est kakouin, comme le frère avant-hier, on lui parlait dans l'émission, on lui demande, Kakou Philippe dit dans son livre, chien est mieux que femme. Il dit, est-ce que chien est mieux que ta maman? Il dit oui. Akadi Shao, l'homme comme ça là, il ne faut plus continuer de parler à lui. J'ai essayé de le ramener à la raison. Vous voyez le niveau, vous voyez, il est important pour nous de venir prêcher, d'amener les gens à l'islam. Exactement. De dire aux gens, vous pouvez détester l'islam, vous pouvez détester ma personne, sa personne, mais l'islam, vous ne pouvez rien trouver d'injuste dans l'islam. Quand le Coran dit, le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez-les les mains. Les gens ont l'impression pour dire, non, mais c'est quelle religion ça? Quelqu'un a volé, on lui coupe la main. Oui, bien sûr. Et puis, pourquoi on doit lui couper la main? Question. On ne coupe pas la main d'un voleur parce qu'il faut couper la main. Il a de quoi manger. Il se suffit lui-même. Il a tout ce qu'il faut. Il n'est pas malade mentalement. Non. Il n'a aucun problème. Il s'est envolé. On coupe sa main. Si on a coupé sa main, là, les petits koyara de figaïo, là, quand ils vont voir un manchot venir, on va dire, c'est vous toujours. À vous. Je me retrouve. Ils ne vont pas vouloir aller voler. Non. On voit un manchot venir. Nous, on sait que ça, là. Allez-y en Arabie Saoudite, allez-y dans les pays qui respectent la loi islamique. Tu n'as même pas voir les manchots dans la rue comme ça. Pourquoi? Le monsieur, il laisse son magasin. Vendredi, il laisse ouvert. Son iPhone 15, 20, c'est déposé là. Il s'en va à la prière, il vient. Il n'y a même pas mouche qui rentre. Chacun connaît la sentence. Donc, quand tu sévis là, la loi s'installe d'elle-même. Allah n'a pas dit de couper, mais parce que pour un plaisir. Maintenant, c'est pourquoi la loi islamique a des solutions à vos problèmes, à nos problèmes. Exactement. Le surplus des femmes. C'est l'islam qui dit, mais attends, il y a trop de femmes dans le monde. Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a révélée, par exemple? Vous ne pouvez pas trouver la solution. Il y a beaucoup de femmes dans la société. D'autres disent, non, aujourd'hui, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari. Maintenant, quelle est la solution que les autres religions donnent pour celles qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution? Parce qu'il faut trouver une solution. Qui a la solution? C'est l'islam.
Il y a trop de vols, la criminalité est un peu partout. Qui a la solution en dehors de l'islam? C'est l'islam. Qui a la solution? La solution peut ne pas être bonne pour toi, mais c'est la solution. C'est la solution. Donc voici un peu, les gens essaient de dénigrer l'islam, de taper sur l'islam, mais chaque fois quand vous faites ça, les gens ne font que se convertir à l'islam. Regardez aux États-Unis, dans les rues un peu partout, les gens ne font que prier dans les rues. Mais il y a des pays, tu ne peux pas le faire. Mais malgré ça, chaque enfant qui naît là-bas, ils s'appellent Mohamed. Ils ne sont pas africains, ils ne sont pas du là. Pour dire que non, tous les musulmans ne sont pas du là. Et tous les musulmans ne sont pas du là, tous les du là ne sont pas des musulmans. Religion musulmane, religion universelle. Exactement. Elle vient de l'éternel Dieu Allah. Non. Nous disons islamiquement, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les chrétiens. C'est pas par... Au contraire, c'est parce qu'on les aime. Nous venons souvent pour leur dire, les gars, venez à l'islam, n'adorez pas Jésus, n'adorez pas Marie. Venez, ensemble, on va aller adorer le Dieu des prophètes. De Jésus, d'Abraham, de Moïse, de Jacob, de Jean-Baptiste, de Mohammed. La paix de Dieu soit sur eux tous. Pourquoi la paix de Dieu soit sur eux? La paix de Dieu soit sur eux, ce sont des sommités, hein? Des personnalités, des bontés. Ce sont des agents humains que Dieu a choisis pour venir nous tirer de nos péchés. Comment Dieu, par exemple nous-mêmes, les pères, on s'est choisi parmi nos enfants, celui-là qui peut vendre mon magasin, il va vendre les marchandises dans mon magasin après moi, mais lui-là, il ne peut pas. Nous, on sait faire la part des choses entre nos enfants. Mais Dieu qui nous a créés, il sait qui peut venir nous tirer des péchés. Donc c'est lui-même qui les a choisis. Moïse, Abraham, Jésus, les prophètes, tout le monde. C'est lui qui les a choisis pour les amener vers les êtres humains, pour nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière. Non. Leur objectif, c'est de nous tirer des péchés. Mais eux, ils sont des pécheurs, subhanallah, comme certains le disent. Mais toi, tu es pécheur, tu viens me tirer du péché. Non, c'est Dieu qui les a choisis. Les prophètes ne pêchent pas, islamiquement parlant. Les prophètes ne pêchent pas. Mais dans la Bible, certains ont accusé des prophètes qu'ils ont bu de l'alcool, etc. Noé a bu du vin, subhanallah, ses enfants l'ont vu nu, la Bible dit. Et il dit que oui, le père Judas qui a couché avec Tamar, sa belle-fille, etc. Il y a beaucoup d'histoires qui sont dans la Bible, que nous musulmans, on n'est pas obligé de croire en cela. Notre livre de foi n'est pas la Bible, mais seulement nous prêchons avec la Bible parce que nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. L'interreligieux, tu viens avec tes questions bibliques, elles sont là. Tu viens avec des questions dans le Coran, elles sont là. Si c'est une question qui nous surpasse, on t'oriente vers les imams. Donc la DDR de retour, Inch'Allah, on tenait à s'excuser auprès de la foule d'ici pour dire qu'on avait prévu d'être là les jeudis passés et ce passé, mais on a compris que les gars, il faut qu'on se repose un peu parce qu'on va, on donne assez. Donc on a compris qu'on on devait prendre une pause. Mais en même temps, on ne vous a pas averti, certains ont été avertis, on vous présente nos excuses. Allah donne la bonne compréhension. Amin. Bismillah. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire et honneur à Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Et que la paix et la bénédiction soient sur le nom messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Soyez les bienvenus au rappel. Vraiment, vous nous avez manqué. On vous dit à Kouaba, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, nous remercions le créateur des cieux et de la terre d'avoir favorisé, d'avoir facilité cette occasion aujourd'hui. Non seulement il a fait de nous des êtres vivants, il a fait de nous des gens qui ne sont pas morts. En plus d'avoir fait de nous des êtres vivants, il nous a donné encore une double grâce. Il a fait de nous des musulmans. Et être musulman, comme on a l'habitude de le dire, c'est une grâce incommensurable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas peser, on ne peut pas calculer, on ne peut pas discuter le prix. C'est trop grand. Nous remercions Allah pour cela. Alors, alhamdoulilah, comme vous le savez tous, exactement, on s'est reposé pendant un moment et on a pris aussi le temps aussi d'aller nous revoir, de revoir notre manière de faire, de revoir le travail de Dieu. Parce que ce que nous faisons, on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas aussi pour plaire aux gens, on le fait pour plaire à Allah. Si Allah est satisfait de nous, alhamdoulilah, c'est notre souci. Vous qui vous déplacez aussi pour venir, vous ne le faites pas pour que nous soyons contents. Vous le faites pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée tous vos déplacements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ça dans la balance de votre bonnes actions et que au jour du jugement dernier, ça soit un témoignage favorable pour vous. Alors, merci beaucoup. Ceux qui ont fait le déplacement encore une fois, on s'excuse encore une fois de plus pour le temps vite que nous avons passé, mais c'était nécessaire, c'était important. Et cela nous a permis d'observer, d'analyser, de regarder un peu les choses avec un peu plus de recul. Défie pas.
Nous, on installe la vérité. La vérité s'impose d'elle-même. Ce n'est pas nous qui avons la vérité. Non. La vérité, c'est Allah. Claire. Nous ne faisons que divulguer, transmettre cette vérité-là. Nous, on n'est pas les connaisseurs. Il y a des gens qui sont plus connaisseurs que nous. Je vais revenir dessus. Il y a des gens qui sont plus connaisseurs que nous. Il y a des gens qui ont la science. Il y a des gens qui sont très, très... Comment je vais vous dire? Ils sont très, très avancés dans la science. Sauf que peut-être, Allah ne les a pas donné grâce de pouvoir parler. Effectivement. Sinon, il y a des gens qui connaissent l'islam que nous, qui connaissent l'interreligieux que nous, qui sont mieux avancés dans les arguments que nous. Claire. Sauf que peut-être, Allah ne les a pas donné le courage de s'arrêter devant des gens pour parler. Sinon, la science, beaucoup en a. Et nous, on ne se vante pas, parce que nous, on sait que nous, tout ce qu'on sait faire, c'est parler seulement. Nous, on lit, on connaît, on mémorise, et puis on vient, on te parle, mon ça. C'est pas vous. Mais, ce que nous disons, c'est que nous aussi, nous avons besoin de vos encouragements, de vos prières, parce que nous ne sommes pas acceptés de toute souillure. Non. Nous ne sommes pas acceptés de tout problème, de toute tentation. On est des êtres humains comme vous. On respire comme vous. On vit comme vous. On a les mêmes tentations que vous. On a les mêmes problèmes que vous. Quand fin du mois arrive, chacun regarde au ciel. Nous tous, sans exception, nous sommes des êtres humains, nous sommes vos frères. Sauf que peut-être, Allah a mis un peu gros cœur en nous. Nous, on dit, on venait affronter les regards pour présenter la vérité d'Allah, peu importe celui qui va s'avancer en face de nous. Donc, c'était pour vous dire que nous sommes des hommes comme vous, nous ne sommes pas excellents que vous. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Et la véritable crainte de Dieu, c'est quand tu es seul. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Pause. Il y a un frère qui veut se convertir à l'islam. Je pense que voilà, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, mon frère. Takbi. Oui, allô, bonne arrivée, frère. Ça va bien? Alhamdulillah, c'est la reprise. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai dit, suis passé. Allah a facilité que tu sois là aujourd'hui. Donc, c'est la grâce d'Allah. Il paraît que tu veux te convertir à l'islam. Mais qu'est-ce qui te motive tant? Tu as Yopougon? Tu viens souvent nous assister ici? Ah bon, hein? Alhamdulillah. Et sur les réseaux sociaux? Et effectivement, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, comme on le dit, c'est notre objectif. Amener le maximum de personnes à l'islam. Voilà, pour ne pas qu'au jour du jugement dernier, on va aller dire non, je ne savais pas. Allah nous dira, est-ce que vous n'avez pas entendu? Comme il a dit au messager, ton devoir n'est que la transmission du message. Donc frère, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, tu vas lever l'index droit, tu attrapes le micro avec la main gauche et tu lèves l'index droit. Les frères musulmans sont là, on va lever l'index avec toi pour t'accompagner, pour dire tu es dans une grande famille, tu n'es pas le seul et tu es le bienvenu. On va partir, Inch'Allah. Ash-hadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ash-hadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohammed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bienvenue à l'islam, mon frère. Quel est le prénom musulman? Tu peux déposer ton index. Voilà. Quel est le prénom musulman que tu aimerais avoir, qui te plaît? Adamo. Je vais vous dire Adamo. Mais Adamo, là, c'est... Adamo. C'est Amos Akarabi Abou. Voilà. Ou Dempsey. Dempsey la légende. Pour le matin, il récite Fatia Moussi. Ok, alhamdoulilah, ça c'est un tapis de prière. Voilà que la communauté musulmane t'offre. Un Coran en français. Voilà, tu pourras lire le Coran de temps en temps et méditer. Ça c'est un document, comment apprendre à prier. Et ça, c'est un document, on appelle ça l'islam dans la Bible. Si tu veux faire l'interreligieux comme nous. Voilà, au cas où quelqu'un vient taper à ta porte, donne ta vie à Jésus. Voilà. Tu lui donnes ta bourrée, tu dis bienvenue. Et puis ça commence. Voilà. Et aussi, d'avoir. Inscrivez-vous pour les questions. Inscrivez-vous pour les questions rapidement. Donc, on va sur ce.
Naam. On nous fait signe que le scanner bouge. Ça bouge même. Donc on va commencer à appeler le premier intervenant qui va venir ici, avec lequel nous allons échanger pacifiquement, dans le respect, dans la courtoisie et dans la bonne ambiance. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous pardonne pour toutes nos fautes que nous avons commises. Amen. En secret, en public, et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. On n'a pas encore fini de vous exhorter, mais comme le temps est restreint, d'autres occasions, si Allah nous le permet, on va encore s'exhorter à la bonne attitude. Sur ce, on va passer au programme. Inch'Allah, le programme de la TDR, encore une fois, on est désolé, hein, les gars. Jeudi prochain, on ne sera pas là. On s'en va à Bangourou. Hein. On s'en va à Bangourou pour 3-4 jours, Inch'Allah. Donc le 26, mai, j'allais dire du 26 au 29 mai, la DDR sera à Bangourou, dans la cité royale. Donc jeudi, nous arrivons à Bangourou, Inch'Allah. Le vendredi, disons le même jeudi, nous aurons une émission à la radio d'Abangourou de 17h à 18h. Et le lendemain, vendredi, nous serons, Inch'Allah, à Niansoué. À Niansoué, c'est, je crois, 20 à 40 km d'Abangourou. Nous venons à Niansoué pour une prêche de 16h à 18h. Ça, c'est le 27. Maintenant, le 28, on retourne à Abangourou, au château, 21-22h, pour la première prêche. Et le 29, dimanche également, nous sommes à Bangourou pour l'apothéose, 21-22h, avec la DDS et l'islam qui triomphe. Ça, c'est pour Abangourou. Et quand on revient d'Abangourou, l'autre jeudi qui va suivre, nous serons là. Mais le lendemain, vendredi 3 déjà, nous partons pour Toumoudi. Donc nous serons à la place Bazar Zouzou de Toumoudi, vendredi et samedi. Hein, le présentant de la DDS qui s'appelle Salam à Toumoudi, il nous suit à l'instant même. Inch'Allah. Donc ça, c'est le 3 et 4 juin. Et de là, Inch'Allah, en octobre, n'est-ce pas? En août, du 15 au 30 août, en tout cas, Burkina acte 2. Hein, on va essayer encore. Voilà, donc cette fois-ci, Inch'Allah, nous serons Burkina Faso. Tout est programmé, on a essayé de fixer la date, mais c'est une date qui peut changer, mais on a approximativement pris cette date. Provisoire, voilà, donc du 15 août au 30 août, la DDR sera au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, etc., etc. Quand on revient de Burkina, on revient encore au Figayo, et en septembre, normalement du 15 septembre au 30 septembre, nous serons en Guinée. Hein? Nous serons en Guinée, Inch'Allah, Ta'ala. Population de la Guinée, Inch'Allah, on va venir. Par la grâce d'Allah, tout est en train d'être mis en œuvre pour que nous puissions venir. Mais ce sont des dates qui peuvent changer à tout moment. Mais nous avons déjà passé l'information. Scanner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alexandre est demandé. Donnez-vous le lecteur en moi. Monsieur le conférencier, quel est son nom, hein? Monsieur le conférencier. Oui, il y a Oustad Diané, il y a Ismaël Aka. Nous avons l'honneur à notre frère Alexandre. Bon, tout à fait. Oui. Bon, je suis content parce que quand on fait des. Je pense que avant de faire la conférence, il faut d'abord maîtriser le Coran et la Bible. Voilà, il faut, parce qu'on cherche la vérité. Maintenant, s'agissant de la Bible, ben, je ne sais pas si vous croyez à la Bible. Parce que la Bible a dit que les musulmans disent Moussa, les chrétiens disent Moïse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces deux mots-là. Moussa et Moïse. Moussa, c'est les musulmans, et Moïse, c'est les chrétiens. Alors, Dieu a dit dans Deutéronome, que Dieu a dit à Moïse ou bien à Moussa, je ne sais pas si c'est. Vous êtes d'accord avec moi avec le allons-y, mot. Allons-y. Voilà. Dieu a dit à dans Deutéronome, Moussa ou bien Moïse, après toi, je vais envoyer quelqu'un, celui qui n'écoute pas va me rendre compte. Quel est votre commentaire? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour dire que en cas tu en cas ça te tue. Non. C'est la sagesse. L'amour de son prochain. Voilà le débat. Il faut aimer son prochain. Qu'il soit musulman ou qu'il soit chrétien, il faut l'aimer. Il faut chercher à chercher la vérité. Exactement. Voilà, la vérité. Où se trouve la vérité? Bon, donc nous, quand vous allez faire des recherches, vous allez voir qu'il y a certains arabes
qui sont devenus chrétiens. Voilà. Par Jésus là, il n'a pas dit de tuer. Il dit non. Il dit de. Il dit que celui qui est à la porte. Dieu dit que si tu n'écoutes pas Jésus-Christ, tu vas nous rendre compte. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, si vous ne croyez pas à la Bible, là il y a problème. Si vous ne croyez pas à la Bible, attends, ok, on va essayer de reprendre la scène. Moi je sais que je sais que Jésus-Christ, il est le Messie qui devait venir. Voilà. Enfin, est-ce que vous croyez au Coran? Si. Non, le Coran, je cherche à acheter mon Coran. Parce que je ne peux pas dire que je ne peux pas haïr un musulman. Non. Si j'ai un musulman, je ne vais pas aller au ciel. Je n'ai pas dit ça. Il dit, est-ce que vous croyez au Coran? Non, mais je n'ai pas encore fait la comparaison, je n'ai pas encore lu. Non, comme vous dites, si on ne croit pas à la Bible, là il y a problème. Si vous aussi vous ne croyez pas au Coran, là il y a deux fois problème. Non, si le Coran c'est l'Ancien Testament, alors je crois. Comment ça? Supposons. Non, c'est une hypothèse. Si le Coran c'est l'Ancien Testament, là je crois. Alhamdulillah, oui, comme vous l'avez dit, aucune religion ne demande de tuer l'autre. Aucun prophète n'est venu de tuer les gens. Ils ont tous prôné la paix. Et tous. Qu'ils soient Moussa, comme vous l'avez dit. Moussa, c'est Moïse, c'est Moshe également chez les Hébreux. Voilà. Donc, nous pensons, nous croyons à tous les prophètes. Hein. Nous croyons à Jésus, le prophète, à Moïse, à Abraham, Jean-Baptiste, Jacob et tous. Ouais, maintenant, le prophète. Excusez-moi. Alors, ne pas, que, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, encore. Si vous dites que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, n'est pas Seigneur, n'est pas fils de Dieu, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Or, il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir des dons spirituels. C'est ça. Ouais, oui. Moi, j'ai un don spirituel. Moi, j'ai un don de sang. En sang, il y a un monsieur, il s'appelle Dave de Mgoua Baptiste. Il m'a dit que voilà, maintenant, il a couché sur le bras. Il est mort en 2017. Il dit, monsieur, moi, je sais le tien. D'accord, on va y arriver. Papa. Voilà, donc. Aujourd'hui, là, c'est pimenté, hein. Voilà. Donc, vous savez, les musulmans et chrétiens, nous sommes des frères. Nous sommes tous d'accord. Et c'est dans cette fraternité-là. Des frères adamiques, bien sûr. Voilà, bien sûr. C'est dans cette fraternité-là. Ouais. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas de Coran. Ouais. Alors que nous avons des Corans en français. Ouais. Alors que vous lisez déjà en français. Moi, j'en ai besoin. Voilà, on va vous donner un Coran en français. Voilà, ça c'est pour vous gratuitement. Au nom de la communauté musulmane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardez Dieu. Dieu les avait comment? Lui qui doit nous bénir. Non, il a le Dieu unique. Il dit. Dieu d'Abraham. Merci. Dieu unique. Voilà, c'est lui. Mais il a dit qu'il a engendré Jésus-Christ. Ah ouais. Bon, voilà où tu es. Voilà. On est déjà réconciliés. Dieu bénisse ça. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Le Coran, c'est pour que vous le lisiez aussi. D'accord. Voilà, vous allez avoir une idée. Au moins, vous dites que vous n'avez jamais lu le Coran. Au moins, auparavant, on pouvait dire que vous avez un prétexte. Mais maintenant, Dieu vous a donné l'opportunité de ne plus avoir de prétexte. Il vous a donné l'opportunité de connaître le Coran. Voilà. Mais maintenant, si moi je dis que je n'ai pas un musulman, je vais en affaire. Non. Je dois aimer le musulman. Mais ça, c'est vrai. On doit s'aimer nous tous. D'accord. Dieu dit on doit s'aimer les uns les autres. D'accord. Voilà. L'amour du prochain. Le Coran, l'amour du prochain, c'est quelque chose de très primordial. Mais le Coran, il faut beaucoup le protéger, l'entretenir. Voilà, c'est par terre. Voilà, c'est la parole de Dieu. De la même manière, on protège la Bible. Donc, ne vous en faites pas. L'amour du prochain, vous allez voir. C'est le Coran a employé le mot amour plus de 20 fois. Ouais, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amour. Maintenant, je voulais donner un témoignage. Encore. Moi, j'ai 72 ans. Oui, papa. Attends-moi. J'ai prié pendant 9 ans, dans 5 couches avec femme. 9 ans, d'accord. Attends, il veut le mettre ça. Attends, 5 couches avec femme. J'ai 4 ans. 5 couches avec femme. Maintenant, il y a une femme qui est rentrée dans ma chambre avec tout sa bagage. Dis-nous tout. Donc, celui qui dit qu'il a adoré Dieu, celui qui dit qu'il a adoré Dieu, c'est facile. C'est faux. C'est pas faux. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait. Quand la femme est rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la vérité pour la dire, j'ai pas de rapport avec elle. C'est là que le son. C'est là que tu te réveilles. C'est là le Saint-Esprit n'était pas trop présent. Non, il n'y a pas eu de rapport sexuel avec elle. Fais 4 ans. Ça fait 24 ans. Il y a le Saint-Esprit. Il y a un don de songe. Vraiment. J'ai pas bien compris. 24 ans, vous n'avez pas connu femme. Tout à fait. Ça demande Dieu, je vous dis. Non, on te croit. Viens, après Dieu est là.
Le jour, ça faisait 24 ans net, il y a une tentative qui est rentrée. Ça dit pour, pour la tentation, même. Bien clair là, j'imagine. Mais tu as attrapé ton cœur. Grand détail, non. Oh, et puis, tout était. Merci beaucoup, toi. Hein. Merci pour votre passage. Voilà, Inch'Allah. J'ai maintenant, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, voilà. C'est Bakayoko qui a demandé. Bakayoko s'est dit. Ouais. Allez-y. C'est ça. Non. On dit Jésus est Dieu. Mais pourquoi et comment dire l'enfer vit paradis là? Pourquoi les chrétiens ne connaissent pas et tous les noms? Non, paradis vit l'enfer. Tous les noms. Pourquoi les chrétiens ne connaissent pas? Pourtant, on dit qu'il est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'enfer bien. Ok. Oui, Alhamdulillah. Quand les chrétiens disent Jésus est Dieu, nous, on leur concède qu'ils disent, même si ce n'est pas vrai, mais il faut leur concéder, c'est eux qui disent que Jésus est Dieu. C'est aussi leur droit. Voilà, c'est leur droit. Donc, on ne peut pas les obliger à croire ce que nous, on veut qu'ils croient. Donc, c'est vrai qu'on peut faire des débats. On peut faire des débats. Maintenant, l'enfer, le paradis, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas Jésus qui l'a créé, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui a créé l'enfer et le paradis. Parce que selon la Bible, tous les prophètes, même dans le Coran, tous les prophètes, y compris Jésus, vont comparaître devant le tribunal de Dieu pour être interrogés par rapport à leur mission sur terre. Sourate 16, verset 89 et Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Voilà, et puis ensuite, bon, voilà, si quelqu'un dit Jésus est Dieu et tout ça, bon, ça sont des débats. On fait toujours, hein, on est toujours dans ça. Hein. Dès la question vient, on donne la réponse, Inch'Allah. Sourate 16, verset 89. Et le jour. Ou dans chaque communauté. Allah dit, le jour où dans chaque communauté. Nous susciterons parmi eux-mêmes. On va susciter parmi eux-mêmes. Un témoin contre eux. Tu vas voir la phrase là-bas se répéter dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50 là-bas. Un témoin contre eux, dans chaque communauté. Vas-y. Et nous t'amènerons. En ce moment-là, on va aller te chercher, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va te faire venir, toi. Comme témoin contre ceux-ci. Et tu vois, il sera témoin contre ceux-là. Parce que lui, il est le dernier des prophètes. Donc, il va témoigner que ceux-là, voilà ce que j'ai dit. Certains ont suivi la voie, d'autres n'ont pas suivi la voie, etc., etc. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jean chapitre 12, verset 44. Oui. Or, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi. Non pas en moi. Non, celui qui croit en moi. Croit. Non pas en moi. Mais en celui qui m'a envoyé. Voilà. Et celui qui me voit. Celui qui me voit. Voit celui qui m'a envoyé. Tu vois exactement comme s'il était Dieu. Vas-y. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Tous les prophètes sont des lumières. Hein? Afin que quiconque croit en moi. Ne demeure pas dans les ténèbres. Crois en lui en tant que qui? Pas Dieu, ni fils engendré de Dieu, mais un envoyé de Dieu. Continue. Si quelqu'un entend mes paroles. Voilà. Si quelqu'un entend mes paroles. Et ne les garde point. Et puis il refuse de croire. Ce n'est pas moi qui le juge. Moi je ne peux pas le juger. Car je suis venu pour juger le monde. Je suis venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Ce n'est pas le monde de l'humanité tout entière, c'est le monde du restreint juif, du peuple restreint juif. Bibliquement parlant, Jean chapitre 17 le confirme. Vas-y. Celui qui va me rejeter. Qui ne reçoit pas mes paroles. Cette personne-là a son juge. Vas-y. La parole que j'ai annoncée. C'est la partie là que je voulais. La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au jour dernier. C'est la parole là qui va leur juger au jour du jugement. C'est pourquoi, vas-y. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je suis venu là, je n'ai jamais parlé de mon propre
gré. Aucun prophète ne parle de lui-même. Surat 53, verset 1 à 5. Mohammed, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une inspiration inspirée par l'ange Gabriel. Continue. Mais le Père qui m'a envoyé, c'est un envoyé de Dieu. Vas-y. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est Dieu qui m'a prescrit comme un docteur lui-même ce que moi je dois dire et je dois annoncer. C'est un annonciateur. Vas-y. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pas ma mort qui est la vie éternelle, mais c'est le commandement de Dieu qui sont la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui vous donnera le paradis. Vas-y. C'est pourquoi les choses que je vous dis, les choses que je dis là, je les dis comme le Père me les a dites. Point barre. Fin des citations. Nous vous remercions. Prochaine question, s'il y en a rapidement. Ok. Allez, mesdames, vous pouvez poser une question. Ok. Alhamdulillah. Alors, on parle comme on le rappelle, là, le jeudi prochain, nous ne serons pas là. Voilà, jeudi prochain, nous ne serons pas là. On part pour Abangourou, la cité royale. C'est Abangourou, acte 2. L'année passée, nous étions là. Cette fois-ci, Inch'Allah, on sera là. Et lendemain, 27, nous serons à Agnansoué. 28 mai, on retourne à Abangourou. 29 également, au château à Abangourou. Et puis, on retourne pour nous préparer pour tout maudit. Donc, jeudi prochain, nous ne serons pas là, par la grâce d'Allah. Bismillah. Question. Bonsoir. Bonsoir madame. Moi c'est Gentil Evelyne. Voilà, c'est ma première fois de venir. C'est un musulman qui m'a envoyé ici. D'accord. Voilà, moi je suis chrétien catholique. Voilà. Je vous ai écouté sur les réseaux sociaux. D'accord. Et vraiment, ça m'a touché. Machallah. Voilà, c'est à cause de ça que je suis venue pour la première fois ici. D'accord. Nous qui sommes catholiques, vous pensez que nous sommes dans l'ignorance? Parce que nous avons pris maman Marie, Jésus, parce que pour nous, Jésus est le Messie. Et maman Marie est sa mère. Donc, que pensez-vous? Pour nous, nous sommes dans l'ignorance. C'est ma question ce soir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ma soeur, nous n'avons pas le droit de dire que vous êtes dans l'ignorance. Matthieu chapitre 7, verset 1er, la Bible déclare, par ton jugement tu seras jugé. C'est pas à nous de juger. Nous ne faisons que transmettre la parole de Dieu qui est biblique et coranique. Vous êtes catholique, nous on vous respecte. Nous nous disons, il faut que nous nous mettons ensemble pour revenir vers le véritable Dieu qui nous a demandé, sinon qui nous a créé et nous demande de l'adorer. Maman Marie elle-même n'était pas catholique. Son fils n'était pas chrétien, ni évangélique, ni protestant. Maman Marie, de la manière dont elle s'est voilée là, le Coran et la Bible confirment cela. Moi, la chose que je veux demander à la sœur, lorsque ma sœur dit la prière, par exemple, dans la prière de la Sainte Marie, c'est-à-dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu, alors que nous savons très bien, humainement parlant et spirituellement parlant, Dieu ne peut pas avoir une maman. Nous n'avons jamais existé avant notre maman. C'est notre maman qui a existé avant nous. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre, nul n'a existé avant. Et après lui, nul n'existera. Comment peut-il avoir une maman? Seulement dans Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 40, il est dit « La mère de mon Seigneur ». Et dans le mot « Seigneur » ici, on dit Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ est Seigneur, donc c'est sa maman qui est Marie. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus, ça fait un. Ma soeur, le livre sur la terre qui honore Maman Marie, que tous les livres saints, c'est le Coran. Pourquoi? Le chapitre 19 du Coran est intitulé Maman Marie, sinon Myriam. Un titre spécial pour Maman Marie dans le Coran. Elle n'a pas une fille qui lui est dédiée dans la Bible. Ça fait un. Deuxièmement, Maman Marie, son papa s'appelait Imran. On trouve cela dans la Bible également, mais on l'appelle dans la Bible Amran. 1 Chronique 6, verset 3. 1 à 3. On l'appelle Amran. Le Coran dit, Maman Marie, elle est au-dessus des femmes des mondes. C'est pourquoi l'islam nous dit, nous devons non seulement respecter Maman Marie et son fils Jésus, qui est le Messie, certes, comme tu l'as dit, mais il est le Messie seulement qu'aux enfants d'Israël.
Matthieu 15, 24, sourate 3, verset 49 à 50, le confirme. Ordinateur. On va lire une sourate dans le Coran concernant Maman Marie. Tu verras ce que le Coran dit de Maman Marie, sourate 3, verset 42 et suite. Et tu vas prendre la parole, Inch'Allah. Sourate 3, 42. L'autre peut préparer sourate 19, verset 17 et suite. Un prend sourate 3, 42, l'autre prend sourate 17. Sourate 19, 17. Verset 17 et suite. Sourate 3, 42 et suite. Sourate 3, verset 42. Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les anges dirent. Lorsque les anges ont dit. Oh Marie. Oh Maman Marie. Certes, certes Allah t'a élu. Non seulement Allah t'a élu. Au-dessus des femmes du monde. Il n'a pas dit les femmes du monde. Les femmes du monde. S'il y a autre monde là, Mars, Jupiter, elle est au-dessus des femmes du monde. Continue. Oh Marie. Oh Marie. Obéis à ton Seigneur. Non seulement Allah n'a pas dit obéis à ton fils. Obéis à ton Seigneur. Prosterne-toi. Ah, Allah n'a pas dit faut danser, faut chanter. Prosterne-toi. Et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Incline-toi avec ceux qui s'inclinent là. Tu les vois non là. Va t'incliner et prosterne-toi avec eux. Continue. Ah, ceux-là sont des nouvelles. Ce sont là. Ce sont là plutôt des nouvelles. Tiens, faut pas faire ça. Faut pas regarder le. Ce sont les temps là. Voilà. Des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Voilà. C'est là que Muhammad, on te révèle ça. Car tu n'étais pas là. Lorsque j'étais leur calame. Lorsqu'ils étaient leur calame. Tu n'étais pas là lorsqu'ils étaient leur calame. Tu n'étais pas là lorsqu'ils étaient en train de tirer au sort. Maman Marie était tellement belle. Elle est tellement belle. Il y a eu débat. Qui va être son parrain? Moi je vais être son parrain. Il y a eu débat. Donc on dit tirage au sort. Allah dit, mais en ce moment, Maman Marie n'était pas là. Mais il te raconte ça. Pour décider. Pour décider qui se chargerait de Marie. Qui allait se charger de Marie. Le sort est tombé sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. C'est lui qui était le tuteur de Maman Marie. Continue. Tu n'étais pas là non plus. Oh, tu n'étais pas aussi là. Lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi. Rappelle-toi encore une fois. Quand les anges dirent. Lorsque les anges sont venus dire à Maman Marie. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce. Voilà que Allah t'annonce. Une nouvelle de sa part. Une nouvelle de lui sa part. Son nom sera Al-Masih. Allah n'a pas dit, il va te donner un enfant comme ça. Allah s'adresse aux intelligents, ceux qui veulent. Allah t'annonce une nouvelle de sa part. C'est une parole. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, Mashiach, Yeshua, Hamashiach, le Messie. Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, le Messie. Issa, fils de Marie. Allah précise, Jésus n'a pas de père. C'est pourquoi on l'appellera même au jour du jugement dernier par le nom de sa maman. Fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Vas-y frère. Jésus est illustre ici-bas. Comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Il est quoi? L'un des rapprochés d'Allah. Il est parmi les rapprochés d'Allah. Alors que quelqu'un qui est rapproché du président de la République, c'est pas n'importe qui. Hein? Exactement. Donc voici un peu, il y en a tellement. Et c'est pas tout. Allons-y, 17, 19 et suite. Tu prends là-bas. Allons-y pour la suite rapidement. 19, 17 et suite. Elle mit entre elle et eux un voile. Andy, elle a commencé à mettre entre elle et eux un voile. C'est-à-dire là, le Coran est en train de raconter l'histoire de la naissance de Jésus dans les moindres détails. Là, dans les détails les plus clairs, les plus limpides qu'ils soient. Écoute bien, vas-y. Elle mit entre eux et elle un voile. Puisque Marie, femme qui n'avait jamais connu d'homme, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle n'est pas tombée enceinte devant les gens. Si elle était tombée enceinte devant les gens, elle allait commencer à vomir devant eux. Ils allaient prendre la clé à quelque chose. Ils allaient demander, mais hey, t'as quoi? Elle s'est retirée, le Coran dit, elle s'est retirée dans un endroit éloigné de sa famille. Elle était seule dans cet endroit-là. Vas-y. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. C'est là maintenant, Dieu va envoyer l'ange Gabriel vers Marie. Vas-y. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Vu qu'il ne peut pas se présenter à elle sous la forme angélique, il a pris la forme humaine pour s'adresser à Marie. Vas-y. Elle dit à l'homme là. Je me réfugie contre toi. Auprès du tout miséricordieux. Si tu es pur, mon frère. Ne m'approche pas. Faut pas me toucher. Moi, je ne connais pas garçon, donc faut pas me toucher. Vas-y. Il dit. L'ange dit. Je suis un messager de ton Seigneur. Pour te faire don d'un fils qui est pur. Regardez bien. Quand les chrétiens entendent ça, ils sont contents. Le Coran dit que Jésus est pur. Mais ils disent, nous les musulmans, il ne faut pas en parler de Jésus. On parlait bien.
mais en bien. Il est pur. Le Coran dit qu'il est pur. On te fait droit d'un fils qui est pur. Vas-y. Elle dit. Comment aurais-je un fils? Mais comment j'aurai un enfant? Quand aucun homme ne m'a touché. Alors qu'aucun homme ne m'a touché. Vas-y. Et je ne suis pas prostituée. Moi aussi, je ne suis pas dans Pogléa, je ne fais pas ça. Allons-y. Il dit. L'ange m'en a dit à Marie. Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. C'est facile, a dit ton Seigneur. Vas-y. Et nous ferons de lui un signe. L'enfant là, on fera de lui un signe. Pour les gens. Et une miséricorde de notre part. Et il sera une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. L'affaire là, c'est Kabako, c'est décidé. C'est un enfant qui va naître. C'est une décision de la part de Dieu. C'est fini. L'enfant là, c'est ça que les autres ont commencé à adorer. Bébé là, les gens disent que c'est Dieu qui est là. Or, il y a quelque chose de très important par la suite. Je veux qu'on lise d'abord dans la Bible, Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 14 et suite, si je m'abuse. Il y a quelque chose que maman, les catholiques ont fait. Ils ont la Bible, mais il y a un élément qui les a échappé. Et ça, c'est vraiment préjudicieux pour eux. Voilà pourquoi nous, on veut que tu écoutes la partie là. Et puis toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas arriver, tu vas dire, ce qu'ils ont dit là, c'est pas faux. Vas-y, lève-tu. Deutéronome 4, à partir du verset 14. Oui. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois. Écoute bien, Moïse dit, en ce temps-là, Dieu m'a ordonné de vous enseigner ses lois. Lui, ses lois. Vas-y. Et ses ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique. Ce que je vais vous dire là, vous devez mettre ça en pratique. Vas-y. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans le pays dans lequel vous serez là, vous devez mettre ces choses-là en pratique. C'est très nécessaire pour vous. Vas-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parlera du milieu du feu. Moïse rappelle à ses enfants, aux enfants d'Israël, le jour où Dieu vous a parlé du milieu du feu, là, vous n'avez pas vu son visage. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? À Horeb. Oui. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu dit aux enfants de veiller, et Moïse dit plutôt, veillez attentivement à vos âmes. Pourquoi? De peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez une image taillée. C'est-à-dire, quiconque va faire une image taillée a corrompu son âme. Regarde la corruption de l'âme. Regarde comment ça va commencer. Dieu va citer ce que c'est que la corruption de l'âme. Si tu te retrouves dans ça, tu sais en même temps que ce n'est pas bon. Continue la lecture. Une représentation de quelques idoles. Dieu dit, il ne faut pas faire une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme ou d'une femme. Il ne faut pas faire statue d'un homme ou d'une femme. Stop. Question. À l'église catholique, là, il y a statue d'homme ou il n'y a pas statue d'homme. C'est une sœur. C'est une sœur, s'il vous plaît. Soyez un peu galant. Elle a dit, elle veut comprendre. Les célibataires. Ma sœur. Mais la statue, c'est pour représenter Jésus. Très bien, donc reprends la lecture. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tu ne te feras. Et de peur que vous ne vous corrompiez. L'âme. Et que vous ne fassiez une image taillée. Mm-hmm. Une représentation de quelques idoles. Dieu dit, on ne fait pas des représentations. Non seulement de quelques idoles. Vas-y. La figure d'un homme. Ou d'une femme. Dieu dit, il ne faut pas faire représentation. Parce que si tu essaies de représenter quelque chose, est-ce que vous l'avez vu pour le représenter? Il faut voir quelqu'un pour le dessiner. Mais vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qui prouve que la statue là, c'est lui? Donc Dieu dit, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez corrompre votre âme. Voilà pourquoi il dit, faites attention. Les représentations sont des choses qui vont corrompre ton âme. Parce que tu vas penser que c'est la chose là qui est là. Je me rappelle une fois, nous on était à la maison. Il y avait une photo de Jésus qui était dans notre salon. On regardait la télévision, un coup c'est tombé. Bouf. On dit, c'est gâté. Chacun a commencé à prier. Le feu dans la maison à ce jour-là. Parce que juste la photo est tombée. Parce que nous, pour nous, Jésus ne peut pas tomber quoi. C'est pas simple. S'il est tombé, c'est qu'il y a eu quelque chose. C'est ça. On a corrompu notre âme. C'est ça la corruption de l'âme. Et les gens, beaucoup ont ça dans leur maison, pensant que c'est Jésus qui est là-bas. Un Jésus aux yeux bleus, beaucoup de cheveux. Joli garçon comme ça. Vous l'avez vu où? Pour le représenter comme ça. C'est pas bien. Dieu dit, ne faites pas ça. Qui vous a dit que jusqu'à l'acteur, lui qui a tourné le film, il me l'a fatigué. Brian Diacon. Il dit, pardonnez, c'est pas Jésus, j'ai tourné un film. On dit, il manque. C'est Jésus. C'est Jésus aujourd'hui, c'est Jésus demain. Également. Donc ma soeur,
C'est ça le problème. Il ne faut pas représenter des choses. Et ça, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas nous qui le disons. Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est que en rien, nous n'avons un problème avec les gens qui sont de confession catholique. On n'a pas de problème. Sauf que la Bible dit, ainsi que le Coran, qu'il faut revenir à ce qui est primordial, l'adoration d'un Dieu unique, et puis observer ses lois et ses recommandations. Voilà pourquoi il parlait du Coran. Et le Coran est le seul livre qui est rentré dans les moindres détails. Si on continue la lecture, non, je te jure que quelque chose va te toucher. Parce que tu vas voir comment est-ce que Jésus est né et qu'est-ce que Jésus a fait pour la première fois comme miracle dans le Coran. Jésus a parlé pour défendre sa maman. On dit, voici étant le premier bébé, étant bébé dans voici le berceau. Le miracle de Jésus. Or ailleurs, on dit Jésus a transformé l'eau en vin. Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Merci ordinateur. Et il avait là 30 ans. On dit c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère et c'est là qu'il a commencé son premier miracle. Alors que dans le Coran, depuis bébé, il a commencé son miracle. Donc le musulman n'a aucun problème avec les catholiques. On n'a aucun problème. Sauf que peut-être on n'a pas la même foi, on n'a pas la même croyance. Et nous, on vous invite à devenir musulman. Non. Vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné plus. C'est-à-dire, vous allez adorer le véritable Dieu et connaître le véritable Jésus et la véritable Marie. Parce que si le Coran disait, regarde, le seul verset du Coran, ça fait chaos tout le monde. Il dit, Marie est la femme qui sera élue au-dessus des femmes des mondes. Et les gens disent, par contre, on entend les autres disent que Marie n'était qu'un simple canal. Un canal. C'est-à-dire que tellement qu'ils veulent que Jésus soit Dieu forcé, là, ils disent que Jésus est Dieu, mais Marie n'est pas sa maman. Marie est son canal par lequel il n'a pas appelé mère, il a appelé femme. Et ça, on les demande où. Pourquoi Jésus là pour venir n'est pas passé par ta maman? Et puis c'est par Marie il est passé. Les gens ont un problème. C'est qu'elle n'est pas n'importe qui. Pourquoi dans toutes les femmes qu'il y avait en Israël là, c'est Marie? Qui est-elle? C'est-à-dire, vous aimez l'enfant, vous n'aimez pas la maman. Vous adorez l'enfant, vous ne voulez pas adorer la maman. Et vous refusez que maman Marie soit la mère de Dieu. Pourquoi? Mais son enfant est Dieu. Son enfant est Dieu. Tant que son enfant restera Dieu, elle est la maman de Dieu. Bien. C'est mon enfant, c'est la maman de Dieu. Donc ma soeur, voilà un peu ce à quoi on t'invite. Donc il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème. On ne juge pas, sauf que les écritures témoignent en notre faveur. Les écritures même sont là pour juger. Surat 66, 12. Vas-y frère. Allez parler. De même. Marie. La fille d'Imran. La Bible ne connaît pas le nom de papa de Marie même. C'est le Coran, c'est son papa s'appelle Imran. La fille d'Imran qui avait préservé sa virginité. Elle avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes. Naam. Alors notre esprit. Notre esprit en elle. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur. Elle a déclaré véridique les paroles de son Seigneur. Ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Voilà, ça c'est le Coran. Et ça c'est l'islam. Donc nous ne sommes pas des antéchrists. Si on dit les musulmans sont des antéchrists, ils n'aiment pas Marie, ils n'aiment pas Jésus. Voilà, maman Marie, là, c'est non, maman chérie, même dans ouais, le... écoutez. Donc, si tu deviens musulman, là, tu n'as rien perdu, au contraire. Voilà. Et puis, regarde un peu. Regarde la statue de maman Marie, là-bas. Là. Elle est comment? Elle est habillée comment? Elle est voilée. Attends, mais elle va répondre. Ah. Maman, quand vous arrivez à l'église, là, maman Marie, sa statue, elle est habillée comment? Elle est voilée. Et puis, vous-même, vous êtes comment? Hé, hey, ma bouche, pardon. C'est un enfant. D'accord, ma soeur, voici un peu l'enseignement donné. Voilà, si vous avez d'autres questions, nous serons là jeudi 6 prochain, Inch'Allah. Jeudi prochain, on va en voyage. Et puis, bon, voilà, vous continuez de regarder les vidéos jusqu'à ce que vous soyez convaincus parce que c'est une religion universelle. Moi, j'ai l'habitude de le dire, Jésus se prosternait pour prier. Il se levait matin bonheur pour prier. L'ablution que les musulmans font, c'est biblique. Le voile de la femme, c'est biblique. L'interdiction du porc que les musulmans ne mangent pas, c'est interdit également dans la Bible. Et même en évêche aussi, ma soeur, vous êtes d'accord avec moi que vous ne rentrez pas à évêche aussi dans votre chambre. Les musulmans ne rentrent pas à évêche aussi à la mosquée. Mais vous rentrez aussi à l'église. Maintenant, entre la chambre et l'église, là, il y a un lieu qui est saint quand même. Ça doit être la chambre. Mais normalement, ça doit être l'église. Mais bon, on dit non, c'est bon. Vous savez, il y a des choses qui peuvent être interdites islamiquement, qui n'est pas interdit chez vous. Mais Dieu l'a interdit parce que tout le monde n'obéit pas aux lois de l'éternel Dieu. Merci beaucoup d'être venu à notre forum. Si vous avez une autre question à poser, on y va. Non, ça va? Est-ce qu'on a répondu à votre question? Beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu soit. Maintenant, si vous voulez vous convertir à l'islam aussi, c'est gratuit, c'est pas payant. Voilà. Il y a le voile, il y a le tapis, il y a le Coran français. Et puis il y a les célibataires aussi qui sont là. Tout ça, il n'y a qu'un problème.
Monsieur Salomon est demandé. Salomon. Monsieur Salomon est demandé pour sa question au scanner. Venez tous au scanner, on va détecter la maladie. Voilà, n'oubliez pas que nous avons les tickets. Voilà, on a les tickets opération mosquée. Voilà, le complexe également. Vous ne payez plus les tickets, les frères. Arrêtez ça. Non, ça allait. Ah. Voilà, même au Burkina Faso, payez les tickets, s'il vous plaît. On prévoit de construire un complexe là-bas également, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, voici opération ticket, peu importe ce que vous donnez, c'est pour construire le complexe islamique chargé des convertis. Parce qu'on reçoit tellement d'appels, ils ont chassé la convertie, ils ont fait ceci. Exactement, ça, donc, sérieux, c'est difficile. D'autres veulent se convertir, mais ils ont peur parce qu'on peut les chasser à la maison, tout ça. Donc, il faut qu'on. On a fait intervention à domicile dans une famille. Maman, les enfants la disent, dans leur église, là, il y a cellule pour les convertis là-bas. Et puis, c'est un imam devenu pasteur qui les gère. Mais imaginez un peu. Il y a un coin là-bas. Chahé de convertis. Les musulmans. Ouais. Spécialement pour les musulmans. C'est là-bas. On ne dit pas le nom de l'église. Allons à ça. Scanner. Oui, question, frère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue au scanner de la DDR. C'est un figaillou. Merci beaucoup. On dit quoi? Ouais, ça va. Quelle est la question? Bon, moi, il y a une préoccupation. Allons-y. Voilà, j'aimerais vous la poser. C'est de savoir simplement si les juifs et les musulmans adorent le même Dieu. Oui, ils adorent le même Dieu. On adore le même. C'est les juifs et les musulmans même qui adorent le Dieu. Et si les juifs et les musulmans adorent le même Dieu, s'ils adorent le même Dieu, comment? Ils croient qu'il y a un Dieu unique. Nous aussi, on croit qu'il y a un Dieu unique. Et l'appelle Elohim, Elohim, on l'appelle Allah. Oui, c'est ce que vous croyez. Mais comment est-ce que se fait l'adoration chez les juifs? Et comment est-ce que. Comment se fait l'adoration chez les musulmans et qu'ils soient pareils? Bon, moi, je sais que les juifs, voilà, ils ont leur mode d'adoration, ils font ceci, ils font cela. Les musulmans aussi, voilà. Je voulais voir un peu l'analogie, la ressemblance. Voilà, dans vos documents, ouais, ils pensent que c'est la meilleure preuve. Non, c'est pas. Désolé, tu as parlé de. Le Dieu. Tu as parlé de. Tu as dit. Qu'est-ce qui prouve qu'on adore le même Dieu? Ça, la manière. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas parlé de la manière de l'adorer. Tu as demandé. Est-ce qu'on a le même Dieu d'abord? On a dit oui, on a le même Dieu. Tu dis quelle est la preuve? Je t'ai dit déjà que les juifs et les musulmans sont unanimes que Dieu est unique, créateur des cieux et de la terre. Il a ni image, il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Les adorations sont différentes. Mais la reconnaissance du Dieu, il est le même. C'est pourquoi j'ai envie de répondre. Il dit, s'ils adorent le même Dieu, comment? Ils le reconnaissent tous le même Dieu, mais ils ne l'adorent pas de la même manière. Voilà, ils reconnaissent le même Dieu. Voilà, mais ils ne l'adorent pas de la même manière. Oui. Voilà. Et c'est là même se situe ma préoccupation. Mm-hmm. Parce que dans le livre qui a été donné à Moïse, voilà, Dieu a donné des ordonnances. Mm. Voilà, quelquefois qui ne ressemble pas à les ordonnances qu'ont apporté le prophète Mohammed. Voilà. Non, je parle du prophète Mohammed, je ne parle pas. Mais Mohammed, lui, n'est pas prophète. Mohammed n'est pas prophète. Il vend Gaba avec ses couresses. On dit Mohammed, c'est Mohammed. Voilà, le prophète Mohammed. Voilà. Donc, Mohammed, c'est normal. Je dis c'est normal parce que c'est deux cultures différentes, c'est deux adorations différentes. C'est normal. Le problème ne se situe pas dans l'adoration. Le problème se situe dans la reconnaissance du Dieu. Si tu adores Dieu couché, moi j'adore Dieu arrêté, est-ce que c'est le même Dieu qu'on adore? Si c'est le même Dieu, il n'y a pas de souci. Tu peux l'adorer en argent, tu peux l'adorer en planant, mais si c'est le même Dieu, ça, c'est pas ça qui compte. Et c'est ça le plus important plutôt. Donc le problème de l'adoration qui diverge là, c'est pas important. C'est pas ça. Puisque Dieu dit à chaque communauté, il s'est révélé à chaque communauté. Et à chaque communauté, il a donné une manière de l'adorer, une orientation, une inclinaison, etc., etc. Un prophète. Donc chaque peuple a sa manière d'adorer Dieu. Mais il faut que ça soit le même. Ok. C'est tout. Voilà. Bon, d'accord. J'en viens encore. Viens aussi. Je voudrais savoir si, comment on appelle, Moïse. Oui, mon frère. Voilà. Est-ce que Moïse était musulman ou Moïse était juif? Non. Selon le Coran, excusez-moi. Allons-y. Je voudrais savoir si Moïse était musulman ou il était juif. Parce que forcément, il appartient à une religion.
Exactement. Et cette religion-là, c'est laquelle? Très bien. Je réponds humblement, comme le Coran a dit, tous les messagers de Dieu étaient des musulmans. Moïse était un musulman. Voilà la réponse à votre question. Très bien. Bon, vous dites que Moïse était musulman. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, voilà, on nous fait croire que Moïse a déporté le peuple de Dieu de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et ce peuple qu'il a déporté là, lui, il était le chef. Et ce peuple était les Hébreux. Et ce peuple-là était les Juifs. Bon, si Moïse était musulman, pourquoi cela n'est pas ressorti dans la Bible ou dans la Torah? Je vais dire, dans la Torah elle-même ou lui-même. Voilà. Elle-même. C'est mentionné dans la Torah, c'est mentionné dans la Bible. Sauf que ce n'est pas écrit musulman. Si on connaît déjà la nature, le concept définitionnel du mot musulman, on saura si c'est vraiment mentionné ou pas. Le problème, c'est ça. C'est qu'on est souvent victime de la mauvaise traduction, mais du mauvais ami. On ne nous donne pas la définition de chaque mot, on ne connaît pas la définition de chaque mot. Je te donne un exemple. J'arrive à l'hôpital, je dis, je vais voir quelqu'un pour arracher ma dent. J'ai affaire à qui? Au dentiste. Tu vois, je pourrais dire, je vais voir un dentiste directement. Mais quand il dit, je suis venu me faire arracher la dent, toi, connaissant le concept définitionnel du fait d'arracher la dent, tu sais que c'est un dentiste à qui j'ai affaire. Alors que nous savons tous que le mot musulman, il a sa définition en fait. Sa définition c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Alors, question que nous posons, est-ce que Moïse n'était pas soumis à la volonté du Dieu qui l'a envoyé? Ah là, si je comprends bien, si musulman veut dire soumission totale à la volonté de Dieu, c'est que on a des prophètes qui sont venus au nom du Christ, qui seront appelés musulmans, parce que eux aussi, ils étaient soumis totalement à la volonté de Dieu. Tu dis des prophètes qui ont été envoyés au nom de qui? J'ai dit, je reprends bien. Non, le petit mot là m'a échappé. Voilà, je reprends. Je dis des prophètes qui ont été envoyés, même juste actuellement, dans cette ère-là, il y a des prophètes qui sont envoyés au nom de Jésus. C'est là qu'il y a problème. J'ai raté quoi? Comme tu parles, le problème c'est quoi? Le problème c'est que, en réalité, c'est ça le problème. C'est que, pour nous là, ce n'est pas le fait qu'un gars vient dire qu'il est prophète, que cela veut dire qu'il est vraiment soumis. Kakou Philippe dit les prophètes. Mais est-ce que Kakou Philippe est soumis à la volonté de Dieu? D'abord, il faut savoir qui a envoyé Kakou Philippe. Claire. Dans la Bible, pour reconnaître un vrai prophète là, c'est pas moi qui ai dit il est faux. Non, la Bible a dit comment faire pour connaître un vrai prophète et un faux prophète. Quand il est fait la Bible. Oui. Ok. Oui. La Bible l'a dit. Deutéronome chapitre 13. Et puis aussi dans 1 Jean 4, verset 12 et suite. 1 Jean 4. Voilà. Donc tout ça, la Bible m'en parle. Donc je vais te dire quoi? Je vais te dire par exemple que ce que tu dois comprendre, c'est que quand il vient, la Bible dit pour connaître un vrai prophète là, d'abord il faut qu'il vous annonce, même s'il fait un miracle, même s'il annonce des choses et que ça s'accomplit, mais s'il vous invite à aller adorer un autre Dieu que celui que les enfants d'Israël ont connu là, claire, c'est un faux prophète. Alors il faut savoir que les prophètes qui viennent au nom de Jésus, la dame nous dit qui les a envoyés. Si c'est Jésus qui les a envoyés, c'est Jésus n'en voit pas prophète. Jésus lui-même l'a envoyé. Mais il a été envoyé. Au fait, n'en faisons pas des débats. Moi, seulement, je vais tirer un peu ce que vous avez comme connaissance. La vie, là, on prend un peu ici, on prend c'est un vrai, peu ici. Et ça, c'est très honnête, c'est humble aussi. C'est vrai. Voilà, j'ai pas envie de faire débat parce que si je fais débat, vu votre connaissance, même sur la Bible, là, il m'en sortirait pas. Parce que ce que vous connaissez là, non? C'est l'échange. Ne riez pas. Parce que si vous riez, c'est que vous n'avez pas compris ma préoccupation. C'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà, je ne maîtrise pas la Bible. Exactement. Alors que vous-même, vous êtes musulman. Oui. Je ne maîtrise pas autant la Bible pour débattre. C'est vrai. Donc, je sais déjà. Donc, ce n'est pas une occasion de rire. C'est que non, vous n'avez pas. Pas voilà, compris, voilà. Donc, ce que je voudrais savoir là. Oui. Parce que l'islam, le christianisme là, voilà, c'était pour voir un peu l'image que vous avez à l'égard du christianisme. C'est pourquoi il demandait, attends, mais Moïse là, il était musulman ou juif? Bon, on a vu aussi. Après Moïse, il y a eu comme on appelle Josué, voilà ceux-là.
Parce que Moïse là, il y a son nom dans l'islam. Il y a son nom dans la Torah. Exactement. Comment on a Josué également. Même quand on parle d'Adam et Ève, ils les font appeler là-bas, comment on appelle Awa et Adam. Adama. Tu vois, donc on ne sait pas à qui, moi je ne sais pas personnellement, à qui, à quel royaume, à quelle tribu, à quelle religion ils appartiennent. C'est pour voir un peu, voilà. Okay. C'est pour voir un peu tout ça. Sinon, vous-même là, vous, on me dit ici que le Dieu des chrétiens, c'est pas le Dieu des musulmans, mais on voit ici Moïse, juif, on voit ici Moïse, comment on appelle, musulman. Ça devient un peu superflu. Maintenant, moi, j'ai été clair, voilà. Une bonne fois pour que tu comprennes. En fait, c'est simple. Si, comme je t'ai donné la définition du mot islam, du mot musulman, automatiquement, ça devait t'aider à comprendre que les autres appellations là sont pas vraiment exactes. Pourquoi? Parce que il est clair et net que tout prophète qui vient est envoyé, tout prophète venant de la part de Dieu doit être forcément un prophète qui est soumis à ses ordonnances et à ses lois. Insoumis à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, regarde, on va commencer depuis Abraham, parce que c'est lui qui est le père de la foi. Une fois qu'on est situé sur la nature d'Abraham, sur la religion que Abraham a léguée à ses fils, on saura si vraiment Moïse rentre dans le cadre d'être un musulman ou bien dans le cadre d'être de pratiquer le judaïsme, etc., etc. Alors je vais donner la latitude à Oustaz de rentrer ici. Qui est Sourate 3:67. Voilà, ça c'est pour Abraham. Tu vas voir. Allons-y. Vas-y frère. Abraham n'était ni juif. Allah dit Abraham n'était pas juif parce que le mot juif vient après Abraham. L'un des petits-enfants d'Abraham s'appelait Judas. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc Abraham ne pouvait pas être juif. C'est moi qui dois pratiquer la religion de mon arrière-grand-père et non mon arrière-grand-père pratiquer ma religion. Ça c'est déjà écarté. Continue. Ni chrétien. Il n'était pas aussi chrétien parce que Matthieu chapitre 1 verset 1, Jésus même est descendant d'Abraham. Donc si Jésus, le christianisme qui n'est même pas de Jésus, Abraham ne peut pas être chrétien. Jésus même n'est pas chrétien, à plus forte raison Abraham. Maintenant il reste quoi? Il était entièrement soumis à Allah. Il était soumis. Qu'est-ce que dit soumission à Allah? Musulman. Musulman. Et il n'était pas du nom des associateurs. Abraham était musulman. Si Abraham était musulman, ceux qui sortent d'Abraham peuvent désobéir, certes. Mais Abraham va léguer sa religion à ses enfants, à sa descendance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, lorsque nous donnons rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits, et qu'il nous, il est venu, Allah a complété ça par 40 et il est resté en contact avec Moïse. Et c'est le même Allah qui a parlé à Moïse de vive voix. Mais Allah va parler à Moïse de vive voix en lui disant quoi? Moïse est musulman, soumis à la volonté de l'éternel Dieu. C'est ce que je disais dans mon introduction. La seule religion unique donnée par Dieu là, c'est l'islam. Soumission à sa volonté. Les autres religions portent le nom de la créature de Dieu. La religion de Dieu ne peut pas porter le nom de sa créature. C'est pas possible. Comment Dieu donne sa religion et puis cette religion s'appelle le judaïsme? Dieu donne sa religion, ça s'appelle le christianisme, le bouddhiste. Non, c'est la soumission à Dieu. Quand tu traduis, ça donne musulman. Les gens pensent que le mot musulman aussi, mais l'islam a commencé avec la venue. Exactement. C'est ça le problème. C'est juste que comme ils attendent l'islam, ils attendent, ils voient automatiquement le prophète Mohammed. Non. Lui, il est venu dans la forme, il est venu trouver l'islam. Et il a enseigné l'islam dans sa forme parfaite, universelle et définitive. Sinon, l'islam, ce n'est pas lui l'auteur, ce n'est pas lui le créateur de l'islam. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion non. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui veut dire que la religion que nous disons islam, quand nous disons Moïse était musulman, cela ne veut pas dire qu'il était adepte du prophète Mohammed. Il n'était pas son fidèle, non. C'est-à-dire quoi? Il est son frère dans la transmission de l'islam. Sauf que lui, il a transmis l'islam dans une autre forme que nous pratiquons aujourd'hui. C'est pas ce que tu comprends, mon frère. Ouais, non, parfaitement, je vous comprends. Okay, mais je voudrais aussi qu'on lise Job 1, si vous avez la Bible. Job 1. Mm-hmm. Ok. Scanner, préparez les questions. Jeudi prochain, nous serons par là, par la Gazala. On peut appeler déjà le prochain intervenant s'il en a ou bien. C'est possible? Ok, on appelle le prochain et puis. Job 1. Job chapitre 1, verset 1. Christophe va demander. Monsieur Christophe peut venir pour aller rapidement. Job 1, verset combien? Job 1, verset 1, non, jusqu'à 7, voilà. 7. Alors, lisons pourquoi. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles.
Il possédait 7 brebis, okay, 3000 chameaux. C'est bon. Ouais, c'est bon. On va pour récapituler ce que voilà. Tu dis. Voilà, il a fait rapidement comme il y a. Voilà, voilà, avant voilà d'aller plus loin, on a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Ça, c'est la priorité. Takbi. Takbi. Mashallah. On va faire la conversion rapide. Et puis, on va revenir sur Job, Inch'Allah. Et puis, on prend notre frère. Préparez-vous. Takbi. Ça fait plaisir. Quand vous voyez quelqu'un se convertir comme ça, vous devez être content, les frères. On doit exprimer de la joie. Takbi. Parce que c'est une âme qui est sauvée, c'est une âme qui a quitté les ténèbres et qui est venue à la lumière. Bismillah. Alhamdulillah. Bonne arrivée, frère. Je vois que tu es accompagné par un frère, lui, le musulman. C'est toi qui l'accompagnes. Ah, il n'a qu'à te voir sur la voie droite. Là. Si tu es rentré au maquis là, il t'a trompé là. Bah, c'est toi. Il... voilà, donc à la facilité. Merci beaucoup. Tu as eu pourquoi ici? Ah, ça tombe bien. Nous, on est ici régulièrement. Hein. Donc, ici là, c'est comme une esquine qu'on a ciel ouvert. Quand ta foi bascule là, bien. Hein, voilà, parce que la foi c'est comme batterie, il faut charger, il faut entretenir la foi, etc. etc. Donc pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Micro à gauche, l'index droit, accompagné par la communauté musulmane. Nam. Et c'est parti. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Alhamdulillah. La louange est à Allah. Tu es musulman. Merci beaucoup, hein? Tu es devenu musulman à compter de ce testament. Est-ce qu'il y a un prénom musulman qui te plaît, qui t'aimerait choisir? Issa. Issa. Attaque lui. Issa, c'est Jésus. Hein? Issa, c'est Jésus. Donc, faut te comporter comme Jésus. Il était calme, timide. On le frappe s'il a joué droite, il donne la gauche. Tu vois, hein? Et puis, a dit Jésus, était beaucoup galère. Donc, mon frère, bon courage à toi. Car la facilité. Bien donné ton numéro. Voilà, et l'imam chargé des convertis va t'encadrer. Allons-y, frère, pour terminer. Voilà, rapidement. Pour terminer, merci beaucoup. Voilà, ici on dit Job était un texte droit, il craignait Dieu. Exactement. Voilà, mais Job là, vraiment, c'est pour savoir. Donc, en conclusion, ici Job, avant même la venue même là du prophète Mahoma, ici Job était musulman. Exactement, Job est dans le Coran aussi, frère. Son nom est mentionné dans le Coran. On l'appelle Ayuba. Ayuba. Ouais, il vient. Voilà, donc ça veut dire ici, tous ceux qui craignaient Dieu étaient soumis. On a vu le Seigneur Jésus aussi, oui, était oui, musulman. Exactement. Voilà, donc. Sauf qu'ils ne sont pas allés à la mosquée comme nous. De toute façon, on va à la mosquée, ils ont les chapelets, on a les boubous. C'est pas, voilà, ça, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça l'islam, quoi, en fait. Ça, c'est oui, l'islam dans sa forme, on va dire, dans sa forme présentée par le prophète Mohammed, reçu par le prophète Mohammed, aller à la mosquée, aller au pèlerinage. Ça, c'est la forme définitive et universelle de l'islam. Okay. Voilà. Alors que quand ça commence sur plusieurs dispensations, plusieurs différentes manières d'adorer, plusieurs différentes manières de se présenter. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà, donc le Seigneur Jésus aussi était musulman. Claire. Et voilà, voilà une bonne préoccupation. Et puis j'ai terminé. Hein, excusez-moi. Bon, Jésus, musulman, il avait des disciples au nombre de 12. Voilà, au nombre de 12. Voilà, ces disciples-là. Est-ce qu'il est, il les a légué cette doctrine islamique? Mais parce que moi aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il les a légué cette doctrine islamique? Voilà. Et puis aujourd'hui là, vraiment, on ne sait pas pourquoi. Nous tous là, on n'y va pas à la mosquée. Alors que Jésus, si comme vous le dites, il était musulman, ouais, il avait la doctrine de l'islam, il priait Dieu, il s'est comme ça. Mais les disciples qui marchaient lui là, pourquoi ils n'ont pas voilà, vous voyez ça vers nous. Et puis, nous, on ne va pas la mosquée. Nous, on ne fait pas la sainte. Mais toi, tu n'es pas très chanceux. Hein? Quelqu'un d'autre peut se convertir à l'islam. Attaque, oui. Je vais pas me dire quatre mots. Ah, bah, la question que tu as posée, la même, là, la réponse va se savoir tout à l'heure, Inch'Allah. Envoyez le scanner. Attaque, oui. Allahu Akbar. Attaque, oui. Allahu Akbar. C'est une joie immense, quoi, pour nous. Et tous ceux qui sont ici sont témoins de ça. Et vous avez aussi les mérites. Surtout vous avez, parce que vous-même vous avez laissé vos activités, vous êtes venu, vous avez écouté, vous avez fait les droits, les gens se convertissent. Qu'à la fin, qu'on se retrouve tous dans le Jannah Tawfiq Taos. Bonsoir mon frère. Bonsoir.
Bonsoir. C'est quel nom? Djomandé Ouma. Djomandé Ouma. Je te fais quoi? Mais tu n'es pas musulman. Ou bien tu étais musulman, mais tu as délaissé un peu la religion. Oui. Tu veux réattester ta foi. Oui. Ok, ça aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, on va lever les textes quoi, ensemble. On va répéter. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste. J'atteste. Qu'il n'y a aucune divinité. Il n'y a aucune divinité. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et j'atteste. Et j'atteste. Que Muhammad. Que Muhammad. Est le messager d'Allah. Est le messager. C'est tout, tu es devenu musulman. Takbir. Maintenant, il faut rester. Maintenant, il faut rester et demeurer dans la foi sincère. Avoir les bons amis et savoir où mettre les pieds. Et sachez que tous ceux qui se sont convertis, Allah les a pardonné les péchés jusqu'à l'instant. Hein. Voilà, parce que c'est comme ça. Quand tu deviens musulman, l'éternel Dieu efface ton tableau. C'est comme ça Moïse a dit dans Exode 32, verset 30 à 35. Il dit, si Dieu ne pardonne pas à ce peuple qui a adoré le veau, il n'a qu'à effacer son nom du livre de vie. Il n'a qu'à effacer son nom. Donc le tableau de ceux qui se sont convertis vient d'être effacé et leur mal a été converti en bien selon l'islam. Non. C'est ça l'islam. Donc le mal qu'ils vont commettre encore, ça va être pris en compte à partir de maintenant. Mais quand ils commettront des actes qu'ils ne savent pas que c'est interdit en islam, Allah les pardonnera. Mais quand tu sais que tu t'entêtes dedans et que tu meurs dedans, l'absolution n'est point destinée pour toi. Bismillah. Allons-y. Frère, voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui se convertit. Vraiment, toi là, non, toi-même, faut te convertir. Faut rester, s'il te plaît. Pose ta question qu'à 22h, on est là, il n'y a pas de souci. Voilà. Tant que les gens peuvent se convertir, c'est bien. Tu vois que tu attires des bonnes ondes. C'est pas un hasard, tu attires des bonnes les ondes positives. Ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. C'est quel nom? Demandez. Hi. C'est moi. Demandez. Il y a demandé son chrétien. Tu étais? Ok. Attends, tu as arrêté de prier, ça fait combien de temps? Un an. Bon, attends, demandez. Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. On va ajouter. C'est ça là. Voilà, il y a une fille. Il y a une fille qui m'a vu à la mairie de Yopougon. Je suis allé faire des documents. Et elle est chrétienne. Elle est koyaka, elle est chrétienne. Maintenant, le vigile m'a dit, ah, Oustad, pardon, viens, cette sœur-là, elle est chrétienne. Donc, dans l'échange avec elle, elle fait ça. Hein, c'est vous qui convertissez les gens. Et ça, c'est pas montage, même. Il dit, comme tu as abusé un montage là-bas, là, tu vois tout un montage. Non, ça, c'est la grâce d'Allah. Voilà, chez nous. Voilà, allons-y. Bonsoir, Doyen. Attends, on va écouter le Doyen d'abord. Doyen, bonsoir. Mais on ne sait jamais. C'est que, bon. Joe, on ne sait jamais. Donc, bonsoir, non. Bonsoir. C'est quel nom? Je travaille à Amen. Merci. Bonne arrivée. Merci. Ça dit, non, c'est important. Wallahi, c'est important parce que c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que je pète Djoula n'est pas musulman. Ça fait un. Je pète Djoula être musulman et quitter l'islam. Et après avoir écouté les prédications et tout, je prends le courage pour dire Djoula. Je me rends compte que j'ai l'occasion de me répandre, ils le mettent en même temps. Voilà. Donc ceux qui sont dans cette situation là, il n'y a pas de honte, ils le saluent le personnel. Alors ceux qui sont dans la situation pareille là, est-ce que vous n'allez pas venir en même temps? Venez. Ah, non. Ceux qui veulent se convertir. Si quelqu'un qui a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans sans prier. Faut pas avoir honte. Quelqu'un qui a vraiment. Mais lui, ses parents sont musulmans, mais lui il ne va pas à la mosquée. Joe, lui il est tout dans l'allée. C'est l'auto gagné, c'est pronosport, c'est bête. C'est le mouvement de braquage, tout le faut venir. Viens te répandre. On fait ça une bonne fois pour tout. Ok. Imito là, à la Niabi là haut. Venez, hein. Venez en même temps. Nous tous on fait encore. Ok. Donc, on va lever les textes toi. Ouais. On va réattester notre foi encore, on ne sait jamais. C'est important de les deux ensemble en même temps. Voilà. Donc vous deux ensemble, vous allez répéter ensemble et puis on va faire. Ashhadu. Ashhadu. An.
La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammadan est le messager d'Allah. Allahu Akbar. L'autre là, il est impatient, tu vois, il bouge. Je sens que ça va se savoir. Ça va sentir. Ok, voilà, c'est pourquoi les disciples là n'ont pas. Voilà, nous n'avons pas légué cette tradition islamique là, pourquoi on ne va pas à la mosquée. Voilà, juste à ce point, il y a musulmans qui vont à la mosquée, chrétiens à l'église. Si vraiment Jésus était musulman, Job était musulman, Isaac, le fils d'Abraham, était musulman, je sais pas. Vas-y. Ok, donc c'est ce que j'ai répété. Si Jésus lui-même n'était pas chrétien, non, n'a pas enseigné le christianisme, c'est sûr que ses apôtres vont suivre ce qu'il est allégué. N'est-ce pas? Exactement. Très bien. Exactement. Sauf que ce que vous devez comprendre, quand même vous regardez dans la vie des apôtres après Jésus, vous allez voir que les apôtres se sont scindés. C'est-à-dire, il y a eu deux groupes. Ou bien, il y a un autre apôtre qui est venu apporter un autre évangile, ou bien une autre connaissance, ou bien une autre science que les disciples de Jésus n'avaient pas. Je n'ai pas dit son nom. Les gens le connaissent. Mais il faut savoir. Moi, je ne le connais pas. Vous savez, Paul. C'est de là-bas que tu vas voir que le christianisme va venir maintenant. C'est Paul qui va enseigner le christianisme aux gens. Claire. Sinon, les disciples n'ont jamais enseigné le christianisme à qui que ce soit. Ils ont toujours enseigné la soumission à la volonté de Dieu et à l'obéissance à la loi. Sauf que eux, ils étaient sous la loi de la Torah de Moïse. Et ils respectaient les ordonnances et les prescriptions de Moïse. Parce que la loi de Moïse dit que cette loi-là, elle ne peut pas être effacée, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas la retirer. C'est une loi qui demeure éternellement. Donc les disciples, eux, étaient des véritables soumis à la volonté de Dieu et ils avaient une législation sur laquelle était basée leur foi et sur laquelle ils devaient être branchés. C'était la Torah. Et ça, le Coran le dit dans la Sourate 15 et 5 à partir du verset 12 à 14. Prenez Sourate 5, on va voir. À partir du verset 12 à 14. Allons-y, scanner. Et Allah, certes, oui, pris l'engagement des enfants d'Israël. Tu vois, Allah a certes pris les engagements des enfants d'Israël. Vas-y. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah les a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Pourvu que vous accomplissez la solat. Acquittez la zakat. Vous acquittez de la zakat. Vous croyez en mes messagers. Et puis vous croyez en mes messagers qui sont venus après vous. Vous les aidiez. Et fassiez à Allah un bon prêt. Et puis vous faites à Allah un bon prêt. Alors, certes, vous passerez vos méfaits. Voilà. Voilà l'alliance que Dieu avait tissée avec eux. Donc, ils sont restés toujours dans cette même ligne-là. Sauf qu'après le passage de Jésus, il y a eu maintenant perversion des Écritures. Et le monde maintenant va baigner dans l'ignorance. Cette ignorance profonde, jusqu'à ce que le prophète Mohammed vient ramener les gens, faire sortir des gens des ténèbres, de l'adoration de la créature au Créateur. Merci beaucoup. Bon, vaut mieux partir quand tu chasses. Comme il y a quelqu'un après moi, moi je pense que jeudi si prochain, Inch'Allah. Voilà, je vais revenir pour continuer mes cours. Merci, ça sera avec merci mon frère. Qu'Allah facilite. Qui l'a chassé? Non, il a dit quoi? Il y a beaucoup de personnes après lui, Inch'Allah. Ok. On est à toi maintenant, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir. On est arrivé. C'est quoi votre question aussi? Mais votre préoccupation? Ma question est la suivante. Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Vous ferez des choses que moi-même Jésus n'ai pas pu faire. C'est ma question. Ok. Jésus a dit. Il a posé une question. Ah, il dit c'est sa question. Ok. Bon. En temps normal, il n'y a pas de question dedans. Bon, ça s'appelle une question. Je veux savoir qu'est-ce que vous dites à ce sujet. Voilà ça. Nous, on dit que le chrétien est vrai. C'est vrai, amen. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Il est le chemin pour les enfants d'Israël. Donc, on dit amen. On prend ça. N'oubliez, il y a les t-shirts, hein, les gars. Voilà, les t-shirts. Bambino, il fallait dire, ah non, il y a les t-shirts. Les t-shirts, ils sont tous. Mais les dames,
Ok, ok, alors c'est. Donc c'est ça, on croit à l'écriture, l'écriture est vraie, on dit Amen, mais sauf que c'est pour les enfants d'Israël. Donc si je veux comprendre, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Pour les enfants d'Israël. Au Père, que par lui. Pour les enfants d'Israël. Et à son époque. Et à son époque. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ni toi ni nous. C'était au temps des enfants d'Israël. Parce qu'il n'a été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24, Matthieu 2, 6, Matthieu 1, 21, Actes des Apôtres, chapitre 30 à 31, Actes 13, 23. C'est pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Jésus lui-même, la même, il est pour les enfants d'Israël. C'est, enfant d'Israël. C'est le bébé des enfants d'Israël. C'est les gars. Sauf que si Jésus dit, ne mens pas, nous les Ivoiriens, ça nous arrange. Ça nous concerne aussi. Mais Jésus, les enseignements de Jésus sont profitables pour nous, en tant qu'Ivoiriens. Les enseignements de Jésus sont profitables pour nous, en tant que Sénégalais. Les miracles qu'il a opérés sont un signe pour nous. Parce que Jésus lui-même est un signe pour l'univers. Mais il a été envoyé pour les enfants d'Israël. C'est comme Moïse aussi. Tu veux, tu veux pas. Tout le monde dit Moïse. Mais c'est Moïse, il était envoyé pour les Ivoiriens. Non, il était envoyé pour les enfants d'Israël. Celui qui a été envoyé pour les Arabes, ainsi que pour tout le monde, il s'appelle le prophète Mohammed. Quiconque ne l'accepte pas, embouteillage, en enfer, ça sera chaud. Allons-y pour ta question. Hein. Donc, si tu n'as pas accepté Jésus, non. Non, si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'as pas accepté le prophète Mohammed, la main s'est gardée. Alors que nous, on les accepte eux tous. Nous, on les accepte eux tous. Mohammed. Et puis, c'est le Coran qui dit on va les accepter tous. Hein. Ouais, soit 3, 4, 5. On les a pris tous, on les a mis dans un même panier, on les a fait beaucoup de bisous, on vous adore, on vous aime. On vous adore pas, adorer les gars. Voilà, on les adore, mais on les adore. Voilà. Donc nous on est déjà sauvés. Voyez, on n'a pas fait de différence, on n'a pas dit moi il prend Jésus, il laisse Mohammed. Mais il prend Moïse, il laisse Jésus. Nous on n'a pas fait ça. On les a pris tous, puisqu'il a été envoyé de la part de Dieu. Le même Dieu qui les a envoyés là, pourquoi on fait tri? Pourquoi on dit non, lui on préfère lui? Oh, ils ont le même message. Ah, ils ont le même message. Revenez au Créateur. Et soumettez-vous à lui. Sera 3, verset 84. Vas-y. Dis. Dis. Nous croyons en Allah. Nous d'abord, la première croyance se situe au niveau de notre Créateur qui s'appelle nous Allah. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce que Allah a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Sur Abraham. Sur Ismaël. Ismaël. Isaac. Isaac. Jacob. Jacob. Et les tribus. Et les 12 tribus, les enfants d'Israël. Vas-y. Et à ce qui a été rapporté à Moïse. Ce qui a été apporté aussi à Moïse. À Jésus. À Jésus, l'évangile. Et aux prophètes. Et ainsi qu'aux autres prophètes là. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà un peu la nature du musulman. Voilà, c'est la croyance du musulman là. Il ne fait aucune différence entre les messagers. Il les croit tous. Mais puis il adore un seul créateur qui s'appelle Allah. Voilà un peu pour répondre à votre question. D'accord, ok. Merci. On dit Jésus est né. Il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Pourquoi on ne dit pas le Mahomet est mort à la croix, pourquoi on dit Jésus? C'est sa question. C'est sa question, s'il vous plaît, respectez sa question. C'est sa question. Il a le droit de parler. Il a le droit. Lui, il a sa conception, il a sa croyance. Ce qui n'est pas nous, notre croyance. Exactement. Oui, Jésus est mort à la croix, c'est la conception du christianisme. Ce n'est pas chez les musulmans. Les musulmans, pour être sauvés, on n'a pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit. On prend de l'eau, 50 francs, on prend ablution, on se prosterne, on est sauvé. Quand je dis ça, c'est-à-dire après la croyance à un Dieu unique, nous pratiquons les ordonnances de l'éternel Dieu. Pardon à Dieu, mais on espère avoir sa grâce. On demande sa grâce par la grâce d'Allah. Il a dit dans le Coran, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est mort pour leur péché. Mais, Jésus n'a pas dit ça. Jamais dit ça, mais regarde ce que vous avez dit, excuse-moi. Vas-y frère. Il y a un gars qui a dit sur TikTok, il dit, pourquoi Dieu, il a tué son fils pour que nos péchés soient pardonnés. Et puis il a tué Satan en même temps. Et puis Dieu d'ailleurs, il a tué son fils pour. Il a sacrifié son fils pour qui? Pour lui-même. Lui-même. Pour nous pardonner de qui? Nous-mêmes, c'est pas nos enfants encore. Donc pourquoi Dieu, au lieu d'aller prendre son fils pour l'envoyer à la croix, pour le tuer là-haut, pourquoi il tue pas Satan en même temps? Et puis tout a fait la religion. Bébé, est-ce la question? Est-ce que ça là, ça te dit quelque chose? Faut parler dans le micro. Ça te dit quelque chose, non? Oui. Normalement, Dieu devait tuer qui? Faut parler fort. Oui, le diable. Dieu devait tuer Satan. Mais pourquoi ils ont tué son fils? Alors que c'est Satan qui nous fait pécher. Ou bien, c'est Satan qui nous fatigue. C'est lui qui nous met les choses dans la tête. C'est lui qui nous fatigue nuit et jour. Si on l'a tué, le problème n'est pas résolu.
Jésus est mort à la croix, vous arrangez quoi? Les pétés ont commencé à devenir beaucoup même dans Côte d'Ivoire là. Il dit ça va aller. Péché de maintenant là même à se devenir deux fois plus dangereux. Tu vois non? Donc la mort de Jésus, on comprend que c'est votre doctrine. On respecte ça. Mais franchement, si on veut creuser, ça n'a pas, on voit pas trop, ça n'a pas grande importance. Jésus est mort à la croix, c'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chrétiens dans ce monde. Selon toi quoi? Il est mort pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens quoi. Il est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Du péché. Maintenant, il est mort, là si l'humanité pêche, mais l'humanité pêche pas. C'est pourquoi il y a les chrétiens. Maintenant, ça va. Est-ce que les chrétiens pêchent pas? Il y a le péché, mais tout le monde ne pêche pas. Tout le monde ne pêche pas. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? Jésus est venu mourir pour nos péchés, non? C'est ça, non? Est-ce qu'on pêche pas? On pêche. Ah, si on avait tué Satan, est-ce qu'on allait pécher? Ce que je veux te faire comprendre, je dis, Jésus est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Pour retirer le péché dans le monde. Très bien, tu dis bien pour retirer le péché dans le monde. Oui, oui. Maintenant qu'il est mort, est-ce que le péché a été retiré? Maintenant tu m'écoutes. Ah, je t'écoute. Maintenant tu m'écoutes. Je t'écoute, tonton. Voilà. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur la terre. Avec une grande colère. Il est fâché, non? Cherchant qui dévorer. D'accord. Bon, tu sais que le diable il est sur la terre. Oui. Il est fâché, non? Oui. Et puis il est là, fait quoi? Il nous fait pécher. Cherchant qui dévorer. C'est ça, non? Exactement. Il est là pour nous faire pécher. Il est là pour nous faire pécher, non? Oui. Maintenant Jésus est venu mourir, non? Oui, oui. Pour que le péché la fasse quoi? Quitte. Pour que le péché la quitte, non? Oui. Il est mort, c'est le péché l'a quitté. Je ne pas quitté, mais aujourd'hui il y a des chrétiens. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Le péché est quitté, mais c'est pas quitté. Le péché là. Hein? Le péché va toujours demeurer, mais Jésus a sauvé des gens. En fait, le problème, c'est ce que je disais tantôt, c'est votre conception. Parce que si Jésus ne mourrait pas sur la croix là, il n'a pas avoir les chrétiens. Il n'allait pas avoir le christianisme. C'est-à-dire pourquoi? En fait, c'est la conception du christianisme. 1 Corinthiens 15, verset 14 à 24, vous dit. Si Christ n'est pas mort pour nous, c'est-à-dire le christianisme n'existe pas, notre foi est vaine. Parce que Paul dit, nous avons témoigné que les morts ressuscitent, donc Christ aussi ressuscite. Alors que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes des faux témoins. Mais ce que nous voulons dire, c'est la conception des chrétiens qui dit Jésus est mort pour les péchés, ça fait un. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit, si vous croyez en ma mort, vous serez sauvés. Ou encore, je suis venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Mais il a dit comme on fait pour aller au paradis dans la Bible. Mais ce n'est pas de croire sa mort. Les versets sont versés dans la Bible. Pour dire, voilà comment on fait pour aller au paradis. Jean 17, verset 3. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Matthieu chapitre 5, verset 20, etc. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas sa mort dedans. On lui a même demandé, comment on fait pour aller au paradis, bon maître? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Le gars dit, tout cela j'ai fait. Et Satan a dit, Jésus m'a dit, crois à maman. Jésus dit, bon, vends tous tes biens et puis distribue-les aux pauvres. Maintenant viens, tu me suis, tu auras un trésor dans le royaume. Il n'a pas dit, faut crois à maman et tu seras sauvé. Abraham a dit à Lazare et aux riches, il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter. Il aurait pu dire non, ils n'ont qu'à attendre, Jésus va venir mourir pour leurs péchés. Non, il ne l'a pas dit. Maintenant, si Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur malgré qu'elles croient en Jésus? Alors que Dieu a dit, la femme va accoucher avec douleur. Maintenant, la femme chrétienne croit que Jésus est mort pour ses péchés. Et la douleur, elle doit quitter. Mais pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur et elles vont accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde malgré qu'elles croient que Jésus est mort pour leurs péchés? C'est Dieu lui-même qui a posé à la femme. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour prendre le péché. S'il était mort pour prendre le péché, la malédiction selon la Bible que Dieu a mis sur la femme, et Jésus vient pour prendre cette malédiction, ça allait disparaître normalement. La douleur de l'enfantement allait disparaître. Parce qu'elle croit en Jésus. Malgré sa croyance, là, elle accouche avec douleur. Mais il a pris quel péché? C'est ça. Frère, viens bien. Tant que Satan n'est pas mort là, on est dedans. On est dedans. Jusqu'à Dieu va dire, bon, c'est la fin du monde. Tant que Satan n'est pas mort, Jésus n'a qu'à revenir mourir encore. J'ai posé une question. Les musulmans sont là, les chrétiens sont là. On a envoyé Jésus, on a envoyé Satan. On dit bon, les musulmans, entre Satan et Jésus, on doit crucifier qui? Satan. Jésus est là. Chrétien, entre Jésus et puis Satan, on doit crucifier qui, frère? Hein? Ah, tu dis quoi? Il a eu peur, il a eu peur.
S'il vous plaît. Parce que si c'est Satan, tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tu dis Satan, qui va mourir pour tes péchés? C'est nous musulmans, on dit c'est la question. Tu n'as pas compris? Attends, pourquoi tu as dit Satan? Tu n'as pas dit Satan. On dit, tu n'as pas compris. Non, on reprend. On dit, il y a trop de péchés dans le monde. Il faut que quelqu'un meure pour que ce péché là quitte. Voilà, voilà. Satan est arrêté aujourd'hui. Mm-hmm. Jésus est amené devant la foule. Mm. Musulmans, voilà Jésus. Voilà Satan. Il faut qu'un meure pour que tout ça là s'arrête. Pas pour celui qui veut croire que quelqu'un est mort pour ses péchés, c'est pas un problème. On dit, musulmans, vous voulez qu'on tue qui? Maintenant, tonton. Chrétien, frère. Entre Jésus et puis Satan, il y a un qui doit porter toi tes péchés. On doit tuer qui? Entre Jésus et puis Satan. Jésus. Parce que lui, en le tuant, toi tes péchés sont pardonnés. Mais en tuant Satan, il n'aura plus de péché sur les autres. Bon, attends, si on tue Satan, toi tes péchés seront toujours là. Si on tue Satan. Ah. Jésus est là, Jésus est vivant. Hein. Maintenant, si on tue Satan, tes péchés seront toujours là. Je m'apporte de Jésus. Il est demain si tes péchés seront toujours là. Est-ce que ça sera là? Non. Ça sera pas là, non. Oui. Maintenant, pourquoi tu continues le pauvre Jésus? Si on tue Satan, tes péchés sont finis. Maintenant, tu veux qu'on tue Jésus alors que tes péchés seront là si on tue Jésus? Tu es méchant quand même, hein. Jean 8, 40. C'est bon, même. C'est en tout cas, voilà la réponse. Maintenant, s'il y a une autre question à poser, si c'est nous, là, nous, on préfère que Satan meure et puis on laisse Jésus en vie parce qu'il n'a rien fait. Il est venu parler de Dieu, il n'a rien fait. Maintenant, si vous voulez tuer Jésus, bon, ça engage que... En attendant ta prochaine question, information, jeudi prochain, nous ne serons pas là. Inch'Allah, nous serons à Bangourou du 26 au 30 mai à Bangourou et le 27, vendredi 27, à Agnansoué, de 16h à 18h. Mais déjà le jeudi, à la radio d'Abangourou, 17h à 18h, la DDR sera dans une émission là-bas spéciale. Et également le vendredi à Agnansoué, 16h-18h, au carrefour de la jeunesse, ou encore à la place de la jeunesse, voilà, à l'espace du carrefour, voilà. Maintenant, le samedi, on sera à Bangourou, 20h-22h, et dimanche, toujours à Bangourou, au château, 20h-22h pour l'apothéose. Burkina Faso, normalement, nous serons là, Inch'Allah, du 15 au 30 août au Burkina. Également, la Guinée, nous serons là, Inch'Allah, du 15 au 30 septembre. Ce sont des dates qui peuvent changer à tout moment avec les organisateurs. On va demander tout le monde. Ceux qui veulent nous voir peuvent venir au bureau, 23e arrondissement, c'est le QG. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadu. Très bien. Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence de la DDR? Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Trop de travail, ça nous fait plaisir. 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 Il y a un seul Dieu unique. Depuis au temps du prophète Mohammed, il y a eu tous des kafirs qui veulent détruire l'islam. Mais Dieu va toujours envoyer des gens qui vont aider l'islam. Et ça sera toujours condamné à la mort. Ouais, ouais.